j'en attends beaucoup. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise, ben Catherine, va au bout de tes idées. Idéalement, c'est quelqu'un qui comprend le métier. C'est la personne liée du tout début à la toute fin. Amener la production quelque part. Un producteur qui comprenne vraiment le sens de la démarche. Je pense qu'un producteur, en dehors de l'aspect financier, qui est assez simple en fait, parce qu'ils vont tous à la même source de financement, en gros, personne met sa chemise sur un film, c'est très rare en tout cas, je ne connais pas. C'est, idéalement, c'est quelqu'un qui comprend le métier. Alors quand un producteur a déjà eu une expérience, soit au montage, ou à la réalisation, ou comme directeur de production, enfin qu'il a grandi avec le cinéma, et en plus qu'il est un amoureux du cinéma, ben ça aide pour un réalisateur, parce que ça donne une vision. La tâche du producteur, le métier de producteur, est quelque chose d'extrêmement important pour nous, les réalisateurs. Et j'apprécie beaucoup la contribution que font les producteurs au niveau de non seulement la bonne marche du projet, mais aussi l'évaluation de où le projet s'en va. Et j'ai beaucoup de discussions très approfondies, point de vue des questions qui normalement sont des questions de réalisation. Mm-hmm. Mais j'apprécie l'apport du producteur dans le dossier. Si lui n'est pas capable de juger, de te coacher, de dire, bien ici. Parce que souvent, après avoir écrit un scénario, là, tu sais, comme à regarder ta main comme ça, là, tu ne vois plus trop ce que tu fais. Mm-hmm. Le producteur, c'est la première personne qui fait ça. Et s'il fait juste ça, s'il n'est pas capable de faire ça, c'est pas un allié. Là. Un réalisateur, il a besoin de partager sa vision, idéalement, et plus que de la partager, il a besoin d'être stimulé et challengé par le travail du producteur. C'est parce que, d'après moi, un bon producteur, c'est quelqu'un qui fait un acte de foi face à la personne qui va faire le film. Parce que pour moi, c'est très important qu'on me donne le plus possible de liberté artistique dans la mesure des moyens qu'on peut obtenir, là, parce que c'est la seule chose que je veux, le contrôle artistique de ce que je fais, c'est tout. J'entends, dirais-je, plein d'histoires d'horreur, de producteurs qui imposent sa coupe finale, distributeurs qui imposent sa vedette, etc. J'ai fort heureusement jamais connu ça. Mais je pense aussi le fait que je viens de l'intérieur du projet. C'est-à-dire que dans la mesure où, dans la plupart des cas, dans tous les cas, j'ai initié le projet. Dans la plupart des cas, je l'ai scénarisé. Alors, à quelque part, je fais corps avec eux et ils font corps avec moi. Et donc, les gens qui, je pense, s'associent de près avec moi pour ces projets-là, ben d'une part, je présume, c'est parce qu'ils respectent ce que je fais, ce que je veux faire. Ils sont d'accord avec et donc, ils ont comme pas le goût de me tasser après. Dans l'industrie, en général, il y a beaucoup de tensions malsaines et beaucoup de pratiques malsaines où il y a de plus en plus une tendance pour les films de devenir des films de producteurs et qu'on réduit, on limite, on circonscrit le rôle du réalisateur. Dans mon cas, parce que je choisis avec quel producteur je veux travailler et c'est des relations qui ont déjà pris forme depuis plusieurs années, c'est facile pour moi d'être un peu noyé dans ce que je suis en train de faire avec la quantité de personnages, d'enjeux, de situations compliquées, et que c'est très utile d'avoir un dialogue avec le producteur. Mais comme je dis, c'est dans le cas de certains producteurs qui comprennent vraiment le sens de la démarche. Les projets que j'ai faits, qui sont plus des projets de commande, d'une certaine manière, une fois que j'ai dit que ça m'intéressait de le faire, j'étais complètement aux commandes et j'ai pu choisir qui je voulais. J'ai jamais dû répondre à des velléités, soit de producteurs, soit de distributeurs qui me disent bon, mais il faudrait que ce soit un tel, comme dans le casting. Jamais. J'ai vraiment eu chaque fois carte blanche. Donc, moi, je peux pas me plaindre de ça. Je peux juste sonner une sonnette d'alarme au sens où. C'est un système forcément pour lequel il faut rester très éveillé pour ne pas justement déplacer la chose. Puisque même un film de commande, c'est un film qui va être signé, on espère. S'ils demandent à un réalisateur de le faire plutôt qu'à un autre, c'est parce qu'ils veulent un style, une formule, une façon de faire, une sensibilité. Donc, il faut se l'approprier à 100%. Et il faut en rester...
le maître d'œuvre jusqu'au bout. Je pense et je suis convaincu que le producteur est un personnage clé, essentiel dans un film, sans lequel le film ne se ferait jamais et qui est, comme le réalisateur, la personne liée du tout début à la toute fin. Sur le développement, permettre le financement, permettre de réunir toutes les conditions, l'équipe, etc., le producteur est absolument le leader et la personne essentielle qui permet tout ça. Mais sa maîtrise est de créer l'environnement propice. Mais qui œuvre dans cet environnement-là, c'est le réalisateur pendant le tournage. Oui, il y a un travail extrêmement important et que je respecte énormément de mise en place des conditions d'exercice du métier. Il y a quelqu'un qui va bâtir le financement, qui va monter un projet, qui va peut-être même avoir l'idée du projet, mais le maître d'œuvre, et je souhaite que ça revienne à l'ordre du jour, le maître d'œuvre d'un film, c'est le réalisateur. Il y a des producteurs qui veulent avoir ce titre-là de maître d'œuvre. Moi, je ne crois pas à ça. Je trouve qu'un film, c'est d'abord et avant tout une expression artistique. Il y a un gars là-dedans qui s'appelle le réalisateur et qui est le conteur ultime. Mais la notion de conteur ultime, c'est que un film, ça se fait sur le plateau. Avant ça, c'est de la préparation. Avant ça, c'est tout ce que tu veux pour qu'un jour, quelque chose soit capté pour que ça aille à l'écran. Mais tout à coup, là, ce que tu fais, ça s'en va à l'écran. Et là, il arrive plein de choses. Quelqu'un qui est en retard, une caméra qui fait défaut, le soleil qui se couche à la même heure. Il y a plein d'affaires qui vont venir jouer. Et là, la job du réalisateur, c'est de jouer avec tout ça, y compris une bonne idée qui sort, y compris un problème technique qui peut être retourné pour devenir un bon coup. C'est à lui à jouer avec tout ça. Le compteur ultime, c'est lui, et c'est lui qui doit avoir le pouvoir de dire « ça, c'est bon, ça ne l'est pas, ça, je le garde », ainsi de suite, et qui ensuite va mettre sa vision en place. Il faut avoir quelqu'un sur le plateau et qui est imputable, comme on l'a dit, de cette production-là. Donc, il faut qu'il ait les outils, il faut qu'il choisisse ses outils, et il faut qu'il soit aux premières loges pour choisir les outils. Et si on se plante au tournage, et si ça fonctionne mal au tournage, il n'y aura pas d'œuvre, il n'y aura pas de maîtrise de personne, parce qu'il n'y aura juste pas d'œuvre. Il faut qu'il y ait un point de vue, il faut qu'il y ait un regard, il faut qu'il y ait une approche, une sensibilité derrière une œuvre. Autrement, c'est pour moi, c'est pas du cinéma.